Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de retraite. Afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Ici, pour certains, on nous annonce, vous voyez, comme une journée assez calme. Une journée calme en apparence, parce que pour moi, en réalité, vous savez gérer vos émotions. Vous savez, vous voyez, comme contrôler toutes ces pensées qui, par moments, essaient de prendre le dessus sur vous. Ici, on nous montre comme un besoin de se retrouver, un besoin que vous savez combler. Et on montre ici que dans cette période très calme, cette journée éventuellement où vous vous sentirez bien, il y aura comme, voyez, comme une ouverture pour vous. On a réellement cette impression que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Pourtant, on a l'impression que c'est tout près de vous. Tu sais, comme une solution que tu t'efforces de chercher depuis 50 ans. Tu sais, comme une idée que tu t'efforces, on va dire, de chercher depuis 50 ans, mais une idée qui est déjà là. Et c'est dans cette période de calme, de paix, de repos, dans cette période où tu es réellement focalisé sur toi, sur ton évolution, sur ta vie, que tu réaliseras éventuellement que il ne te reste plus beaucoup de pas à faire. Hein. Il ne te reste pas grand-chose, on va dire, comme à mettre en place, histoire que tes situations prennent une toute autre tournure. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous ne vous laissez plus du tout, hein, on va dire comme déstabilisé par l'extérieur. On a vraiment cette impression que vous avez mis comme un bouclier, vous avez posé un bouclier. Un bouclier histoire de pouvoir vous concentrer sur ce qui est important. Et c'est cette façon de faire là qui va te montrer éventuellement que la solution est là. Toi, tu penses éventuellement qu'il te reste 50 000 pas à faire, mais en réalité, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est ce qui va vous permettre de réaliser en réalité qu'il y a toute la puissance à l'intérieur. Hein. Il y a tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires à l'intérieur de toi. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves, pour certains. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Donc ici, une journée hyper connectée, mais une journée, vous voyez, où les informations vont fuser, où dans tous les sens tu seras parce que, ben justement, tes sens sont en éveil. C'est réellement ça. Vous êtes tellement, vous voyez, comme connecté à vous-même, focalisé sur ce que vous souhaitez, que il n'y a plus rien qui existe autour. Hein. Alors je ne dis pas ici, on ne voit pas les personnes, mais vous savez vous recentrer. Vous savez, vous voyez, quand c'est le moment de revenir à vous. C'est vraiment pour ça que les choses, vous voyez, vont commencer à s'accélérer pour moi. Hein. Pas s'accélérer éventuellement parce que ça tombe du ciel, mais s'accélérer éventuellement parce que vous savez gérer. Et comme tu sais gérer, ben on va t'envoyer des situations. On va t'envoyer des personnes. On va te mettre face à des opportunités. Placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. Vous savez faire, hein? C'est parce que tu sais faire éventuellement que les choses paraissent de plus en plus claires. C'est parce que tu sais faire éventuellement que ta guidance intérieure prend de plus en plus le pas sur ce qui se passe autour de toi. Tu sais, comme s'il y avait plus ce truc où, oh là 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 là, ça va mal autour de moi, ça veut dire que ça va mal pour moi. Vous savez faire la différence, voyez, entre l'énergie des autres et votre énergie. Vous savez faire la différence, voyez, quand
Il y a quelque chose qui bloque pour vous et quand il y a quelque chose qui bloque pour les autres. Donc vous savez tout de suite, voyez, comme vous détachez de toutes ces énergies-là. Vous êtes des personnes très intuitives, hein? Des personnes, vous voyez, quand même, avec une très grande sensibilité. Parce que sinon, on ne se laisse pas, on va dire, comme ça, par les émotions des autres. Mais ce qui est génial, c'est que vous arrivez à le maîtriser. Donc, rien à dire. On va regarder ça. On parle d'un coup de téléphone. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où dans cette période de retraite, hein, comme on nous dit, peut-être il y en a, ils vont partir à la retraite bientôt. Mais dans cette période de retraite, éventuellement, vous voyez, comme on nous dit, on a réellement cette impression, vous voyez, que, écoute, si je prends du recul, c'est que j'en peux plus. Si je prends du recul, éventuellement, c'est que je suis fatiguée. Si je décide, tu vois, comme un peu de m'isoler, me retrouver face à moi-même, c'est parce que je me sens un peu perdue. C'est parce que j'ai réellement cette impression et cette intuition, tu sais, peut-être que pour moi c'est un ressenti, c'est pas vraiment une intuition, mais peut-être que c'est comme ça qu'on le voit, que la route elle sera encore longue. Pour moi c'est la peur qui parle, hein, des fois. Hein. Ouais. Vous savez le gérer, vous le comprenez, mais on a l'impression qu'une fois qu'on a les pieds dans la peur, c'est un peu compliqué de se retirer de ça. Mais vous gérez. Il y a le téléphone qui sonne. On parle réellement pour moi, vous voyez, comme d'une communication qui vous sort un peu brutalement, vous voyez, comme de ces illusions que vous êtes en train de vous faire là. Quand c'est calme, on a l'impression que c'est un problème pour vous. Quand éventuellement, vous voyez, il ne se passe rien ou que les choses ne partent pas dans tous les sens dans votre vie, on a l'impression que ça vous interpelle. Ah, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche. Non, pourquoi? On a un coup de fil, une communication importante, peut-être même un papier important qui arrive et qui vous remet un peu les pieds sur terre pour vous montrer éventuellement que tout va bien. Tu sais, c'est juste pour que tu puisses reposer les pieds sur terre, c'est pas violent, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de réaliser que la lumière est là, en fait, à l'intérieur de toi. On a la clairvoyance, on a le retard, on a le verdict. Et on a le rêve, et il y a encore des réponses dans tes rêves. Hein. Donc éventuellement, à voir, hein. Demandez éventuellement, vous voyez, comme de vous permettre de vous souvenir de vos rêves, parce qu'il y a pas mal de choses qui s'y passent, et des réponses éventuellement que vous avez déjà. Et pour certains, il y a des réponses qui reviennent. Il y a aussi des communications importantes, on a des réponses qui arrivent aujourd'hui. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que ce... Écoute, il y a un truc important qui se passe dans tes rêves en ce moment. On a réellement cette impression, tu sais, qu'on t'a déjà apporté une information dont tu as besoin, mais une information éventuellement peut-être que tu as zappé, que tu as laissé de côté, ça revient aujourd'hui. Et on parle réellement pour moi de situation, vous voyez, pour certains, où vous avez fait des rêves, vous avez eu des intuitions, des ressentis depuis très longtemps, mais des ressentis, des intuitions que vous n'avez pas forcément suivies. Tu sais, comme en se disant, ah non, ce que je vis là, c'est pas ce qui va arriver, tu vois, dans 3 jours, dans une semaine, donc je balaie ça, ça revient. Et on a l'impression que les choses se passent exactement comme dans ton rêve. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on voit qu'il y a beaucoup de doutes, hein. Comme si on ne pouvait pas se faire confiance. Ah, on a des surprises. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que ça vous pousse ici à vous remettre en question, mais en plus, ça vous met de super bonne humeur, hein. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où il y a des compromis de fait, il y a des verdicts. Hein. Ça peut être par rapport à la justice, ça peut être par rapport à l'administration, mais ici, on sent qu'on vous accorde quelque chose, vous voyez. Et comme quelque chose qu'on n'attendait plus. Tu sais, c'est comme si tu disais, il me faut juste ce papier-là, il me faut juste, tu vois, cette réponse-là, éventuellement, pour que je puisse passer à un autre stade, à autre chose. Ah ben, ça se met en place ici, ça arrive. Ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps avant d'arriver vers toi. Ça a pris du temps à arriver pour toi et pourtant ça se met en place. Pour certains ici, on a l'impression que ça fait quand même depuis très longtemps qu'on ne se souvient pas forcément des rêves, que les... Vous voyez que vos sens étaient éventuellement, vous voyez, je ne vais pas dire éteints, mais c'était étouffé, tu sais, par autre chose, éventuellement par le quotidien, hop, ça revient ici. On a réellement cette impression ici qu'on a de belles surprises. Hein. Donc ici, on a des compromis, on a des accords, on peut même avoir, vous voyez, comme des rapprochements pour certains, d'accord? On parle réellement pour moi de... Oh, ça surprend. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Comme une personne, vous voyez, qui peut totalement changer de comportement à votre égard. Une personne, vous voyez, qui... Peut-être elle aussi avait besoin de prendre un petit moment pour elle. Et une personne qui décide, vous voyez, hop, je reviens à la communication, vous voyez? Ici, on parle réellement pour moi d'une personne avec qui vous partagez comme une passion.
Ouais, on partage une passion, vous avez comme le même état d'esprit, vous avez à peu près, vous voyez comme la même façon de voir les choses. Et j'ai réellement cette impression ici qu'il y a comme un partage, tu sais, de bonne énergie, il y a un partage, vous voyez, comme d'idées, mais c'est des idées, vous voyez, qui vous permettent encore et toujours d'aller plus loin. Donc ici, tu es branché en mode, ma priorité, c'est moi. Ça vient dans tes rêves, ça vient de l'extérieur, mais ça vient de toi aussi. Plein d'informations tout au long de la journée. Je pense que tu ne sauras plus où donner de la tête, hein. Donc ici, pour certains, vous êtes à la recherche de quelque chose, comme de quelque chose éventuellement qui vous passionne. Vous êtes à la recherche éventuellement comme d'une solution pour que vous puissiez, hop, réveiller tous ces sens-là. Oh, ça se met en place. D'accord? On a vraiment cette impression que là aussi, c'était déjà là. Mais on ne voulait pas forcément le voir, on ne voulait pas forcément l'entendre. Donc ici, vous arrivez à faire des compromis. On a des réconciliations en famille aussi, des rapprochements. C'est vraiment ça. On sent que, tu vois? Ce ne sont pas forcément des personnes avec qui on a envie de fonctionner, hein. Des personnes avec qui, tu sais, on a envie de passer du temps. Et pourtant, ce sont des personnes qui décident quand même de se rapprocher de vous. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où il y a de vrais coups de chance, tu sais. Je le fais comme ça parce qu'éventuellement, tu sais, on a l'impression que c'est pas normal, en fait, ce qui se passe tout au long de la journée. On a l'impression que c'est intrigue sur intrigue. Je me réveille, il se passe un truc, après il se passe un truc plus tard, mais on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la situation, elle a changé comme ça du jour au lendemain? Éventuellement, c'est parce que tu es branché sur toi, tu es focalisé sur toi, tu acceptes de te donner, donc les autres ont envie de te donner. C'est réellement ce qui est en train de se passer dans la famille, éventuellement. Alors ici, on fait quand même gaffe, hein, on voit faire gaffe, hein, histoire de ne pas trop, hein, tomber dans l'attachement. Ça peut être une peur aussi, hein, une peur éventuellement de voir les personnes nous faire un peu des coups bas. Mais pour moi, c'est vraiment le côté où vous êtes resté enfermé, isolé pendant tellement longtemps qu'au final, ben, j'ai un peu peur de sortir, hein. Si je sors, si je m'ouvre, on ne sait jamais, tu vois, ce qui peut se passer. Ici, on a de belles surprises, hein. On a de belles surprises, on a de vrais coups de pouce. J'ai réellement cette impression, vous voyez, pour certains. Vous acceptez tout simplement d'échanger et de discuter avec certaines personnes, mais sans arrière-pensée. Comme des personnes qu'on ne voit ni comme des amis, pour d'autres, non plus comme des prétendants ou des prétendantes. Et pourtant, ici, vous voyez, on voit des situations qui prennent une tournure totalement différente. Donc, on a pas mal d'échanges, pas mal, vous voyez, comme de discussions, mais réellement des choses qui vont vous faire, ah! Ça fait bizarre en fait parce qu'on n'attend pas ce genre de situation. On ne voit pas ce genre de situation se manifester. On s'écoute pas assez. Hein. On a pris du recul avec pas mal de choses, hein, de la distance pour éviter la trahison, les mensonges, les choses comme ça. Et j'ai réellement cette impression que la vie, elle t'ouvre les portes. Tu sais, comme si on ne te demandait plus ton avis. En fait, on ne va pas te demander éventuellement si tu es prêt ou si tu es prête. Eh ben, c'est comme ça que je vois que ça se passe tout au long de la journée, tu sais. Je ne sais pas si tu es prêt ou si tu es prête, mais en tout cas, tiens, il y a ça là. Tu veux ou tu veux pas? C'est réellement comme ça que ça va se manifester. Et faut que tu sois attentif ou attentive à tes rêves. Hein. C'est hyper important. C'est une période qui va durer pendant très longtemps, hein, pour certains. Je préfère vous le dire. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui et puis du coup, demain, ça s'arrête. Non, on a une période où il y a pas mal de choses, vous voyez, qui vont commencer à bouger. Pas mal de choses qui vont commencer à. Des situations qui se retournent. Des situations qui se retournent parce qu'on a réellement cette impression que, écoute, mais tu ne nous regardes plus, tu parles plus, tu sais plus de te rapprocher. Ça intrigue en fait les personnes. Pourquoi tu as changé de comportement? Il y a des personnes qui viennent chercher des réponses, hein, pour certains, d'accord? Et il n'y en a pas qu'une. Hein. Il y a des personnes qui reviennent, mais exprès pour trouver des réponses ou pour chercher des réponses, comme pour comprendre pourquoi vous vous détachez, pourquoi vous vous y. Pourquoi vous vous éloignez? Mais qu'est-ce que tu fabriques en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu vois, donc il y a beaucoup aussi de curiosité, hein? D'accord? On va regarder ça au niveau sentimental, en tout cas. Chapeau, ce que tu as fait là, en vrai, n'a pas été évident, hein? Ici, c'est comme si on voulait t'empêcher de replonger, t'empêcher, tu sais, comme de repartir dans tes pensées un peu limitantes. Moi, je te dis, il y a des choses qui mettent en crise aujourd'hui là. Mais quand je te dis en crise, c'est vraiment le côté. Pourquoi ça revient à cette situation? Mais pourquoi la personne, elle décide de débarquer tout simplement, hein?
J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que ce n'est pas pour rien. Tu sais, comme si toutes les personnes éventuellement qui t'approchaient venaient t'apporter un petit message, en fait. Tu sais, c'est vraiment ça. On t'apporte un petit message à chaque fois. Écoute, il y a des personnes qui décident de se manifester à nouveau, hein. Je te le dis, hein. Ouais, il y a des excuses, hein. Comme on disait tout à l'heure, on fait gaffe, hein, que ce soit la famille. Éventuellement, pour certains, en demande sentimentale, ça nous donne du relationnel. Hein. On le prend, hein, on prend tout. Hein. Mais c'est vraiment ça. Hein. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'il y a des enfants, ou tout simplement, vous voyez, comme des membres de la famille qui peuvent faire preuve de ruse, hein, lors de cette journée. D'accord? Donc, tout ce qui est relationnel, éventuellement, mais avec des personnes avec qui vous avez déjà eu des expériences. Je préfère le dire, hein, des personnes avec qui vous avez déjà eu des expériences et pas très, on va dire, positives, entre guillemets. Ah ben tu vois, là, on a des personnes qui reviennent parce qu'éventuellement, mais pourquoi tu penses qu'à toi maintenant? Tu sais? Pourquoi éventuellement tu ne nous regardes plus ou tu viens plus vers nous ou tu ne fais plus forcément de choses pour nous et ça interpelle. Donc du coup, ici, on va passer, on va dire, par des ruses, bon, enfin par de la ruse, par de la stratégie éventuellement pour savoir ce que vous faites, hein. On peut avoir aussi, vous voyez, comme des situations pour certains où il y a quelqu'un qui vient, vous voyez, comme vous demander pardon ici, hein. D'accord? Pour moi, c'est une fausse excuse, hein. D'accord? On a une personne qui n'est pas forcément, on va dire, comme remplie de sincérité. Là encore, vous voyez, comme on disait, des personnes avec qui vous avez déjà eu des expériences pas très positives. Donc des personnes qui s'excusent, des personnes qui essaient de faire profil bas, des personnes qui reviennent un peu sur le ton de la rigolade, à prendre avec des pincettes. Hein? Ok? Il y a une personne que vous voyez ni comme une prétendante, ni comme un prétendant. Il y a une personne qui vient ici vous faire une invitation. Hein? Une personne pour moi qui a pris le temps de s'isoler, vous voyez, comme pendant très longtemps. Ouais, peut-être j'abuse sur le très longtemps. Mais c'est une personne qui a décidé, vous voyez, comme de. Oui. Elle s'est repliée un peu sur elle pendant un petit moment parce qu'éventuellement, ben, c'est quelqu'un pour moi qui sait que tu ne vois pas au-delà de cette amitié. On a quelqu'un qui revient, hein, d'accord? Alors à vous de voir si vous avez envie, éventuellement, de faire des pas avec ou pas du tout, hein. D'accord? Libre arbitre obligé. Hein? Ouais. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est, ça fait bizarre en fait. Ça fait bizarre. Ça surprend parce qu'elle te sort, tu sais, un peu de ta zone de confort. C'est pas son habitude, tu vois, comme enfin, de proposer des sorties ou des choses comme ça. Donc on sent que ça secoue un peu. Mais pour moi, on a quelqu'un, tu vois, on n'a pas forcément de ruse, on a plus une situation qui va te faire douter. Ici, c'est une personne qui n'a jamais vraiment osé s'exprimer, qui n'a jamais osé dire les choses en réalité comme elles étaient. Et une personne qui décide tout simplement de sauter le pas. Je préfère te le dire, hein. Elle en a envie, on sent que tu y as pensé vaguement, mais bon, sans plus. C'est vraiment ça. Ici, on a une personne qui va essayer de vous reconquérir. Hein. Pour certains, ici, là, c'est une personne avec qui vous êtes en relation. J'essaie à nouveau un petit quelque chose. Hein. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas, on va dire, comme, attends, attends, ton comportement, il est en train de changer à l'égard d'une personne et une personne qui trouve ça un peu bizarre. Ouais. Comme une personne qui sent la fin. Je sens que c'est la fin éventuellement. Je sens éventuellement que tu vas décider de t'éloigner. Donc on a quelqu'un qui décide, vous voyez, comme de prendre son courage à deux mains, une personne qui ne veut pas se voir souffler sa place. Hein. D'accord? Donc on fait des efforts, ouais, il y a un truc. Ouais, si t'es bizarre comme ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te gère ou il y a quelqu'un qui essaie de te tourner autour, ça ne lui veut pas forcément plaisir. Donc petit rapprochement de la personne avec qui vous êtes en relation parce que ben, c'est quelqu'un qui refuse de vous voir partir, en fait. C'est trop bizarre, c'est pas normal. D'accord? Donc on a pas mal de rapprochements, on nous le dit encore ici. Hein. D'accord? On a des rapprochements, on a le retour au calme. Et j'ai vraiment cette impression que même si dans un premier temps, c'est pourquoi? C'est parce que c'est ta priorité. C'est parce que tu penses beaucoup plus à toi qu'à toutes ces personnes. Donc éventuellement, ben, a envie de se rapprocher de toi. On va dire c'est la loi d'attraction, si tu veux. Ouais, c'est vraiment ça. On parle aussi pour moi de situations où les compromis, les choses comme ça. Ce sont des opportunités qui, sur le moment, vous voyez, risquent de secouer un peu, mais des opportunités qui peuvent être très positives à la longue. Hein? D'accord? Donc, au-delà de tout ce qui est relationnel, hein? Si on a des compromis à faire par rapport à une administration, pour des accords à prendre, hein? C'est positif. Hein? Au niveau de la justice aussi, hein? C'est positif. Hein? On a aussi,
Ouais, au niveau professionnel, des accords, des rendez-vous de prix. On a ça là. On prend une petite carte avant de partir. Ok, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc ici, on sent, vous voyez, pour certains, qu'il y a des opportunités qui se présentent, mais ah, tu sais, c'est. Ah, ça interpelle ici dans un premier temps. Hein. La retraite. Prends du recul quand l'opportunité ou quand les opportunités se présentent. Histoire de voir si tu es réellement en accord avec ou pas du tout. Si c'est juste la peur de louper une opportunité ou tout simplement si l'opportunité, j'ai envie de dire, elle te plaît vraiment et puis elle peut te permettre de te retrouver là où tu veux être. Que ce soit dans le relationnel, dans le pro ou quelle que soit la situation avec la famille et tout. Prends le temps de voir si c'est en accord avec toi avant éventuellement d'y aller. Ici, on a des actions de poser, hein. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est vraiment ça, il y a de la peur. Tu sais, comme si c'était des opportunités, éventuellement des situations. Ah, c'est trop beau pour être vrai ce truc-là. Tu vois, c'est ce genre de réaction-là. C'est vraiment ça, on a la clarté. La lucidité vous permet, vous voyez, de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ouais. Donc on prend un moment de pause, on prend un petit moment de recul, on décide un peu de s'isoler. De toute façon, on va le faire, je vous fais confiance. Pour avoir les idées un peu plus claires et pour voir éventuellement ben, si on doit poser les actions nécessaires ou pas du tout. Mais surtout si c'est en accord avec nous, ça ne te met pas en déséquilibre avec toi-même. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.